Ça va louer tout mon beau, tout tout grand, tout à Jenicon, toute la reine Champouel, toute la reine Bizango, toute la reine Tatarouette, tout à ici conséquent, une façon l'autre qui a travaillé cap goumen pour nous recommander au capable de pays ça sous pied. Et pays ça n'a pas qu'à avancer en dehors des croyances institutions ni en dehors des croyances d'agratio. Ou sous channel fidèle pharisien, cause vodou. Monsieur Pam Chagou s'est venu avec des nouvelles connaissances et au même tout gain mission pour. Mission pour gain pour garder vidéo, partager vidéo, like vidéo, inviter l'autre ami, l'autre qu'on rejoint communauté à qu'on s'abonne capable de grandir et qu'on s'en va arriver plus loin. Je nous dis là, pas oublier à l'abonné channel théâtre tradition, c'est sous channel ça, ou à bien amis hypocrites, ou à bien plusieurs l'autre feuilleton, et bien cap palo réalité la caillou à l'abonné channel ça et puis. Gardez vidéo et continuez à partager pour que vous puissiez vous abonner. Nous pas petit mais ça garde. Nous avons des gens qui voyagent sur nous. À l'échelle internationale, nous avons des gens qui botanique qui voyagent sur nous. Nous avons des botanique qui trouvent les dans Sunset Street, 68-333 Sunrise, Floride. C'est là bien bouteille pété pendant nos bouteilles. Jouer toujours bouteille alcoolien dans Maya botanique. Et surtout en Haïti, tout pas oublier. Kainoud, Fatima Botanica Kainoud, c'est leur continuer à acheter produits pour faire un gars pour faire magie et puis sans problème parce que faire un gars faire magie, c'est on doit ou gagner. Je dis à ce channel fidèle pharisien, cause vodou, nous pourrons parler où pour qui ça que maçon le jeu, je remets, mettez chapeau dans la tête. Et pour qui ça que de pouvoir initier, yo initié où, ou obligé de gagner un costume noir sous ou bien un rat noir sous, pour qui ça. Et pour qui ça que ou obligé maçon là il pas jamais marcher sans chapeau. Il pas jamais marcher sans chapeau parce que c'est secret ça n'a partagé ensemble avec vous et concert tout n'a bon moi, nous va bon moi et moi l'a capable ici le tout. Sous ta décide de mettre chapeau parce que jeune garçon qui mettait chapeau pour chapeau qui va mettre chapeau, gamin qui mettait chapeau. Ça par contre raison mais nous même sur channel fidèle pharisien cause vodou n'a dou pour qui ça que lorsque on maçon loge avec un chapeau dans tête li pour qui ça que li mettait. Eh bien, puisque nous parlons de chapeau, ça qui est plus important pour nous, pour connaître qui est le chapeau. Chapeau, eh bien, chapeau, ça va mettre dans la tête là. C'est le bagage qu'il a depuis la nuit des temps. Comment c'est depuis la nuit des temps? Depuis le bon Dieu, la vie a fini que l'homme, l'homme garde pour être cassé le soleil, des fois le soleil frappe nos visages, et bien, il faut qu'on ait un bagage qui ne peut pas rafraîchir pour eux. Eh bien, c'est comme ça, dans penser, il est venu, il a créé chapeau. Ça dit qu'on s'est créé chapeau depuis la nuit des temps qu'a gardé pour chapeau japonais a gagné il pas même gens ensemble avec chapeau haïtien gagné chapeau haïtien gagné il pas même avec le chapeau chapeau mexicain il pas même mais pourtant mais tout était chapeau ça c'est partie utilité pour barrer soleil là après ça chapeau a une autre mission encore l'autre mission chapeau a gagné c'est partie décoratif c'est dire que par exemple de partie de décoratif par exemple au gagne dans les monde mettre chapeau il mettre chapeau au cas où dans carnaval on met chapeau dans raga on met chapeau plusieurs côtés tout dans partie décoratif parce qu'il a fait chorégraphie mais comme ça tout gagne monde qui mettre chapeau c'est parce que chapeau fait bonder gagne monde qui mettre chapeau c'est parce que chapeau fait belle gagne monde qui mettre chapeau tout comme tout n'a pas chapeau yo met chapeau tout comme ça tout gagne monde met chapeau c'est parce que chemise qui sous lui a ou bien gat qui sous lui a et bien l'obligé mettre il mette chapeau. Eh bien, ça ne se pas chapeau, mais chapeau qui forme chapeau par yon. Mais, il y a l'autre côté tout, mon groupe moun, qui mette chapeau laine. Il n'y a pas négocié, il n'y a pas mettre tout le chapeau, mais ton seul chapeau qui est chapeau laine. Et, n'a pas de bonne raison pour que ça qui le garde pour un chambre sénat, le garde un chambre sénat, ou regarde pour les sénateurs réunis ou habillés tout en noir, ou regarde tout majorité dans la tête, il y a un chapeau laine dans la tête, mais son chapeau noir. Eh bien, pourquoi ça mette la tête? Vous mettez la tête, c'est parce que toutes ces maçons loges, toutes ces maçons loges, vous mettez chapeau sous degré, vous mettez chapeau sous règlement, talè n'a bon mot. Qui impact que lorsque les sénateurs, les députés, ou bien tout le monde qui initie dans la maçon loge, achète chapeau laine, qui impact fait sur l'économie haïtienne? Raison? Il faut un gros impact sur l'économie haïtienne parce que Haïti n'a pas fait chapeau laine. Ça veut dire si Haïti n'a pas fait chapeau laine et chaque grain chapeau ça yo, yo vend au moins yo moins grain chapeau qui vend $300 américains, grain chapeau qui vend $400 américains, grain chapeau qui vend $150 américains. On pas besoin d'où. Regardez pour quantité d'initiés qui gagnent dans maçon loge parce que pour tout ça yo a fait pression sur l'économie hein. Y a fait pression sur goud là pour envoyer acheter chapeau ça nous fait que dans système économique là il fait un gros baisse dans système économique là il fait un gros impact sur l'économie
haïtienne. On a regardé pour que si chaque nèg ça yo a acheté chapeau et majorité nèg cap travaille dans l'état, majorité nèg qui dans bureau l'état, pas besoin de tout nèg yo c'est maçon loge. Si majorité là dans 99% c'est là dans c'est protestant, si est-ce que était 1% rete pour protestant ensemble avec pour protestant ensemble avec douisan, ça veut dire que 99% on a regardé pour et chaque nèg ça a un chapeau dans tête yo. On a regardé pour qui coûte ça coûter. Ça coûte l'État haïtien. Ça veut dire que nous avons fait pression sur Goudla et puis pour nous voulons acheter chapeau laine. Il y a un bon côté, il y a un mauvais côté. Ça nous a assez économique. Eh bien, il y a dépensé comme pour acheter chapeau ça. Ma chaloge là, on regarde pour que il y a toujours mettre chapeau, tant d'autres gens qui mettent chapeau tout. Mais moi, je vais mettre chapeau, je parle de chapeau, je parle de chapeau laine noir. Ma parle de chapeau laine noir ou bien chapeau laine blanc. C'est deux chapeaux laine. C'est chapeau laine noir ou bien chapeau laine blanc, ma parle ensemble avec vous. Ok, chapeau à tout. Après, nous prenons l'aspect économique, nous prenons l'aspect décoratif là. On a regardé pour qui ça symbolise. Chapeau symbolise respect. Tout. Par exemple, l'offre, l'homme qui a respect pour lui, ou retire chapeau dans la tête. Ou retire chapeau dans la tête comme signe. Ou gen respect, respecte pour moi, chapeau bas pour vous, chapeau bas pour vous, mais à condition de chapeau bas pour vous, chapeau que vous avez droit tout, ou mettez main en dehors d'eau pour du chapeau bas pour moi. C'est comme ça que qui signe de respect. Si signe de respect, si me permettez, vous comprenez, condition, signe de respect, je vais montrer mon mouvement, la parler de la seconde. En signe de respect, main droit tout. Ça c'est mes gauches. En signe de respect, après tirer chapeau devant moi, chapeau bas pour lui, mettez mon mes gauches derrière et puis vous prenez chapeau avec mes droites comme signe de respect. Vous descendez de tout. Ça c'est signe de respect. C'est là ça où dit mon nom, me retirer chapeau bas devant. C'est dit là mon dit ah mon chapeau bas pour non. Ça pas de respect là-dedans. Ça c'est bagay bridging, mais dans l'ordre mystique côté moun respecte moun, les moun après tirer un chapeau bas, d'après tirer un chapeau devant vénérable, d'après tirer un chapeau devant grand orient, contre ou garder pour que ou garder pour moun mette main, mais gauche pas derrière et puis retirer chapeau avec main droite et puis li baisser tête. Ça c'est signe de chapeau bas. Quand y a là nous fin fait si allez ça mais c'est le production qui permet que qui permet de faire mouvement pour nous être capable ou ça n'a pas l'air. Ça c'est chapeau à un signe de respect. Que ça tout chapeau à tout un signe de la paix tout. Parce que lorsque vous mettez main là mettez main gauche derrière et vous mettez droite retirer chapeau dans tête tout, ça veut dire que moun ça se retirer chapeau bas devant nous. Ça veut dire si nous dans la guerre ensemble avec un général t'a fait son BD dans la guerre t'a dans contre ça, ça veut dire la dimontrer chapeau bas moi excuse moi m'en de pas de pour ça me faire depuis l'autre nèg a fait même j'ai ensemble avec ou tout, ça c'est signe qui pour dire que moi d'accord nous faire la paix. Là des autorités rencontrer tout des mettre main gauche derrière yo incliner tête yo prend chapeau yo retirer dans tête yo. Eh bien, c'est signe qui vous dit que, eh bien, vous faites la paix. Quand vous avez fait regarder à chapeau symboliquement, qui s'est présenté pour la paix, nous regardez pour l'impact qu'il fait dans l'économie. Nous regardez pour le chapeau, nous avons plusieurs types de chapeau. Quand vous avez chapeau maçon loge, ok, droite. Pour qui ça que maçon loge ne peut pas marcher sans chapeau? Pas grand rien qui peut faire marcher sans chapeau. Pas grand rien. Les câbles, tout le bagage. Sauf chapeau. Les câbliers datent de fait, mais sauf chapeau. Les câbliers mangent pour junior, mais sauf chapeau. Pour qui ça que maçon loge, les remets machines ensemble avec chapeau, et puis les chapeaux dans la tête, c'est signe de protection. C'est signe de protection, leur chapeau dans la tête. Et pas plier tout dans l'antiquité, lorsque leur adresse avec créateur, c'est que leur réunit tout, leur réunit dans le jour, dans le caillou. On va regarder pour tout bien chapeau dans tête parce que dans l'antiquité lorsque mon les grands créateurs lorsque mon a parlé avec grand créateur a parlé de bon Dieu la vie comme si me faute tout on max ça que juif yo kon couvre tête yo tant d'autres nations yo mettez forme bon signe comme signe d'autorité on met chaque qui dans mystique on regarder arabio yo m'arrête tête depuis c'est dans religion musulmane bon et d'après principe
C'est comme ça pour communiquer ça avec le créateur pour montrer comme signe d'autorité. Quand y a là, on est en train de pas maçon les gens. Là, le maçon les gens a mis chapeau dans la tête. Li. Dans la tête. Li. La levé le matin. Pour une bague, on va faire le faire, la levé. On peut mettre le pied gauche à terre. Après, on met le pied droit à terre. Le levé sous le cabinet, le parcours, il sort. Il font un petit chita. Il font un petit chita. Il font un petit méditer. Soit le mandé. Bon Dieu, la vie a. Merci d'être le domaine de l'éveil. Et depuis mystique, depuis dans l'éveil, il faut commencer ouais, où sont les mystiques. Après ça, le film met votre bagage, pour une bagage à faire la pré-chapeau. Et la pré-chapeau, il n'est pas pré-chapeau pour chapeau, la pré-chapeau sur Moussa qui c'est Amara. Amara, c'est sur non ça la pré-chapeau qui c'est A-M-A-C-E-A-M-A-R-A. Amara. La dit Amara, et puis la pré-chapeau, il mette dans la tête. Ça veut dire que à chaque fois que ou que yo maçon a un chapeau dans la tête, plutôt faire toute bagaille pas mon chapeau dans la tête. Parce que pour que ça pas mon chapeau dans la tête, parce que li met chapeau sous 1 degré, li met chapeau sous 1 degré, li met chapeau sous 1 mot pas mon chapeau dans la tête. Et puis tout même cap son pas jamais oser retirer un chapeau dans la tête maçon là pas moins on est connecté qui initié de la maçonnerie, de la franc-maçonnerie ou de la maçonnerie pas oser à retirer chapeau dans la tête, la fois gros malhonnête et puis tout malhonnête chien parfait cochon parce qu'il met chapeau sous degré li, il met chapeau sous degré li, il met chapeau sous règlement ni qui c'est moi qui c'est Amara. Mon Amara, Amara écrit A majuscule. M majuscule, A majuscule, R majuscule, A, Amara. Gela de retour, après tant yo fin fè, après tant yo fin fè, gela de comprendre, même moi ça tout, yo même mette son parchemin vierge, yo brûle, yo brûle. C'est-à-dire que yo pote prier ça en dedans, yo pote protection ça en dedans, yo pote protection ça sous yo. C'est-à-dire que pour que, de pour que y a une machine là, ou do Amara, eh bien, la paix. Que mon Dieu la vie a gardé, que on continue vos bénédictions sur, qu'on s'en va garder à chaque fois qu'on chapeau l'un, dans tête de maçon loge, ou à qu'on qui ça veut dire, ou à qu'on souki dégueulé, mettez-le, souki moule, mettez-le dans tête. Chapeau pour, dans tête de maçon loge, c'est protection, c'est ça qu'elle est là, elle dit, Amara. Que mon Dieu la vie a gardé, que on continue vos bénédictions sur, je dis à qu'on moi, qui c'est Amara. Maintenant, nous, dans le commentaire, qui ça qui marque, et qui moi qui marque, qui sorti qu'on est déjà, qui l'autre mot, ou qu'on est, est-ce que maçon est bon la caille ou elle avec Amara, comme mot de pouvoir, ou bien, est-ce que l'autre mot qui est utilisé? Que bon Dieu la vie à Gado. Merci. Aïe Bobo, Maya Botanica entre sous Chanel Cosé Vodou. Dans Maya Botanica, on va faire tout produit original. Tout produit yo sans manque, tout produit yo net, pas de mélange. Ou ap jwenn l'huile, ou ap jwenn poudre, ou ap jwenn mouchoir, ou ap jwenn baleine, ou ap jwenn toute qualité produit ésotérique pour brasser magie wanga. Et pas oublier, sou pa gen bon cabane, non bon bouteille qui rele crase cabane. Sous besoin madame, passez bien en tête ou, fait bon manger demain matin pour ou. Pas oublier, fini dans Maya Botanica, dans 6813 Sunset Strip, Sunrise, Florida. Numéro de téléphone, dans c'est 754-423-3281. Encore, Maya Botanica, c'est là où on vend tout produit pour faire magie.